Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans ma deuxième vidéo de présentation. Donc, je vous présente mon coup de cœur de Liane Moriarty, 3 vœux. Liane Moriarty est une écrivaine australienne. 3 vœux, c'est son tout premier livre qui a été paru en 2003 et qui est traduit seulement chez nous cette année. Il est en avant-première aux éditions France Loisirs, mais vous allez le retrouver le 3 février 2021 chez Michel Albin. Donc tout d'abord, sur ce livre, nous allons faire connaissance avec une famille en apparence totalement parfaite. Elle se compose de triplés. En réalité, dans ces triplés, vous avez 2 sœurs qui sont monozygotes, c'est-à-dire qu'elles sont dans le même œuf, dans le ventre de la maman. Donc à la naissance et même après, elles vont être totalement identiques physiquement. Et vous en avez une troisième, donc qui leur ressemble un peu moins. Celle-ci, c'est Gemma. Les 2 autres, c'est Kate et Lynn. Gemma, elle a un caractère plutôt, on va dire, décontracté. Elle ne se prend pas la tête. Elle vit les jours comme ils viennent. Elle ne fait pas vraiment de plan à long terme. Contrairement à Kate et Lynn, qui sont beaucoup plus terre à terre, et même elles sont très compétitives entre elles, elles vont vraiment essayer d'être les meilleures l'une par rapport à l'autre, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ce livre, c'est que vraiment, ces personnages ont quand même 3 personnalités différentes et elles vont leur arriver à chacune des drames, des moments très tristes dans leur vie, mais aussi beaucoup de moments de bonheur. Leurs parents vont divorcer quand elles vont avoir à peu près 6 ans. D'ailleurs, des parents qui vont apporter eux aussi leur lot de surprises. Vous allez voir si jamais vous lisez ce livre, vraiment c'est très intéressant. Ce que j'ai aimé pour ma part, c'est qu'entre certains chapitres, donc des chapitres qui sont quand même assez courts, vous avez la rencontre de personnages qui ont rencontré ou fait la connaissance plus ou moins loin de ces triplés. C'est-à-dire, par exemple, un marchand de glace qui va se souvenir de ses 3 filles, qui va marquer sa vie. Soit pour un tourment, ou voilà. On va vraiment faire la connaissance d'autres personnages qui vont venir expliquer des anecdotes sur cette vie. Au niveau de mon analyse, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur ne nous épargne pas au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'on va vivre un décès ou alors mariage, querelle entre familles, voilà. Donc nous allons avoir de la tristesse, de la joie, de la rancœur, vraiment un mélange, un panel d'émotions, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. L'écriture de l'auteur est très agréable, ce qui nous permet quand même de lire rapidement le livre. On retrouve très bien vraiment, c'est vraiment typique de Liane Moriarty, c'est-à-dire qu'on va suivre un groupe de femmes, 3-4 femmes, à un moment, mais vraiment clé, à un tournant de leur vie. Et à un moment, leur chemin va s'entrecroiser. C'est vraiment le schéma type des livres de Liane Moriarty. Le seul petit reproche que je lui fais pour avoir lu Le secret d'un mari, c'est qu'il y a un peu moins d'action, un peu moins de suspense. C'est un petit peu moins sanglant aussi. Donc du coup, ça manque un petit peu de ton. Mais bon, après, aucun souci, c'est son premier roman. Mais on voit déjà le style tout simplement de l'auteur. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on rentre vraiment dans l'intimité des personnages à travers plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'elle va nous transmettre certains mails ou des SMS, ce qui a... À certains moments, est plutôt drôle quand elles vont se tromper de destinataire. Voilà, on a aussi un côté drôle dans ce livre, en plus de voilà d'aspects plutôt dramatiques comme la tromperie ou le décès, comme je vous disais tout à l'heure. Mais vraiment, j'ai vraiment accroché à ce livre et je l'ai lu en 2 jours. Donc vraiment, je vous le conseille. Après, c'est que mon deuxième que je lis de Liane Moriarty, mais on retrouve vraiment, vraiment ce style que j'adore. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'identifier à un ou plusieurs des personnages et surtout son écriture est vraiment agréable et on ne se prend pas la tête, on rentre rapidement dans le livre. Vraiment, je vous le recommande. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne,
Laissez-moi des commentaires pour des améliorations ou alors tout simplement de prochaines lectures pour me donner des idées. Et je vous dis à la semaine prochaine les chatons. Bisous!